bien sur gutopia.com, première ponte de Cassandre. Retirer délicatement. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Commence à se contracter un petit peu. Préalablement de la vermiculite humidifiée. Je vais les poser délicatement à l'intérieur. Je vais rabattre un petit peu la vermiculite sur les bords. Bon, avant de le mettre en incubateur, je vais vérifier que elle a bien terminé sa ponte. En palpant du milieu du corps jusqu'à la queue. Voilà. Normalement, si j'ai bien senti, il n'y a plus d'œufs. Elle a pondu tous ses œufs. Donc on va la laisser encore un peu dans la boîte à ponte. Et puis on enlèvera la boîte à ponte demain pour pas trop la stresser. Voilà. Maintenant, au niveau des œufs, je vais tout de suite noter leur provenance, le nombre déjà. Donc 14 œufs. Voilà. Ils viennent de Cassandre, qui était avec Akira. Et je vais noter aussi le jour de ponte. C'était donc hier, 13 mai. Maintenant, on va mettre dans l'incubateur. Voilà. Il y a déjà les œufs de Gecko. Voilà. On le met dans l'incubateur. Voilà. Et maintenant, on va attendre patiemment en espérant que cette première ponte donne les premiers serpents d'élevage de Gutopia. Voilà, je vous tiendrai au courant. Salut, à la prochaine. Gutopia.com, c'est chaud. Ouh, j'ai froid. Allez, papa. T'es prêt? Oula, il est déjà parti, ça tombe. Du
glitotien.com, c'est chaud.